Vous m'avez envoyé plein de questions sur Insta, il est donc l'heure d'y répondre dans cette FAQ. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette FAQ. Vous m'avez envoyé plus de 500 questions, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vous réponds, c'est parti. Quelle est la signification de ton pseudonyme? Change rien, t'es la meilleure. Alors, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une ancienne FAQ. Et c'est très simple, Mimi, c'est mon surnom depuis toute petite. Et Kun, en thaï, c'est un titre de politesse qu'on met devant le nom de la personne à qui on s'adresse. Ça marche aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et donc, par exemple, si tu t'appelles Alex, en Thaïlande, les gens diront Kun Alex quand ils te parleront. Et donc, moi, on m'appelait Kun Mimi. J'ai trouvé ça marrant, donc j'ai gardé ce petit surnom. Comment t'es-tu retrouvée à apprendre le métier de PO en Thaïlande? Alors il faut savoir que bizarrement, plus jeune, je faisais très peu de manucure. Car le peu de fois où j'ai essayé, je trouvais le résultat plutôt grossier. Puis quand je me suis installée en Thaïlande, j'ai été surprise de la qualité des nail art et des poses que les salons proposaient. Petit à petit, j'ai voulu apprendre à me faire les ongles moi-même et je me suis intéressée aux formations. J'ai travaillé en salon là-bas et à mon retour en France, j'ai voulu devenir prothésiste ongulaire à domicile. Comment fais-tu pour mettre en scène les ongles lors d'une photo? Alors ça, c'est une très bonne question puisque c'est quelque chose que j'essaye constamment d'améliorer. Je suis très perfectionniste et je n'ai jamais vraiment été satisfaite des photos que je prenais de mes poses. Si vous me suivez sur Insta, vous verrez que le style de mes photos a beaucoup évolué. Je travaille beaucoup dessus et actuellement, je trouve qu'il met bien en valeur la qualité de mes poses. Et donc, pour te répondre, j'utilise une toile noire ou blanche comme celle qu'il y a derrière moi et j'utilise une lumière directionnelle en prenant les photos avec mon iPhone. Coucou, que penses-tu des VSP de la marque OPI? Qu'est-ce que tu penses de l'acrygel et l'acrylique? As-tu déjà essayé? Bien évidemment, j'ai déjà essayé les deux techniques et même pratiqué par le passé. Mais je suis pas tellement fan de l'acrygel et l'odeur du monomère pour l'acrylique me dérange. Du coup, le gel me suffit amplement. Que penses-tu de la méthode américaine? Alors, c'est une question que vous êtes nombreux à me poser et comme ce sont des capsules en gel préformées, bah, je trouve pas ça génial. Mais je veux bien essayer de vous en faire une vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comment on s'inscrit au club privé? Il suffit de cliquer sur le lien en description et d'entrer son email, tout simplement. Sous quel statut faut-il se déclarer? Le meilleur statut juridique pour vous lancer en tant que PO, c'est le statut d'auto-entrepreneur, qui s'appelle aujourd'hui la micro-entreprise. C'est avantageux parce qu'il y a peu de taxes, mais attention parce qu'il y a un plafond à ne pas dépasser. Et sinon, à ce moment-là, il faut ouvrir une entreprise type SASU. À quel prix seront tes formations? Alors, il y aura beaucoup de formations différentes, une vingtaine vont sortir cette année. Il y aura deux formations par mois et elles seront globalement autour de 100 euros chacune. Mais le truc cool, c'est que vous pourrez prendre uniquement les formations qui vous intéressent, selon là où vous voulez vous perfectionner. En combien de temps as-tu appris à être aussi performante et aussi créative? Je t'adore trop, Bibi. Alors, merci pour le compliment, évidemment, ça vient avec l'expérience. Et il n'y a pas de secret, plus tu pratiques sur des clientes, plus tu vas t'améliorer et devenir créative. Quels sont tes gels préférés en construction de chez Ongle 24? Il y a essentiellement un seul gel que j'utilise chez Ongle 24, c'est le Perfect Builder Extension. Il y en a aussi plein d'autres chez Ongle 24 qui sont très efficaces, que j'utilise occasionnellement comme leur gel monophase. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tous tes conseils, astuces, etc. sur YouTube? Eh bien, cette question est très intéressante et la réponse va peut-être vous surprendre. Mais en fait, j'ai eu un déclic un soir en rentrant d'un dîner. J'ai rencontré des gens ce soir-là et on a discuté de nos professions. Quand j'ai dit que j'étais prothésiste ongulaire, certains se sont un peu moqués ou en tout cas ont dénigré la profession. J'ai eu beaucoup de questions du style « Mais attends, c'est un vrai métier ça ?» ou alors « T'arrives à en vivre ?» et ça m'a beaucoup touchée et ça m'a même énervée. Moi, je vois vraiment le métier de PO comme de l'art et donc j'ai voulu créer ma chaîne YouTube pour partager ma passion et redorer le blason des prothésistes ongulaires. Je veux montrer que c'est un vrai métier, qu'il faut le respecter et qu'on peut très bien en vivre. Mais surtout, je veux aider celles et ceux qui ont un blocage et qui n'osent pas se lancer en les encourageant à devenir PO. Quel aspirateur de table conseilles-tu pour une débutante? Sinon, tes vidéos sont ultra bien. Alors même pour une débutante, je te conseillerais d'utiliser le mien. Il vaut mieux commencer avec du bon matériel tout de suite. Après, si tu n'as pas vraiment le budget, j'en ai un autre à te conseiller que tu trouveras en description. Quel conseil pourrais-tu donner pour vraiment se lancer en tant que PO? Alors, premièrement, il faut vous faire à l'idée que c'est beaucoup de travail. Ensuite, il faut que vous soyez passionné et surtout, il faut que vous sachiez développer votre clientèle. C'est crucial et aussi important que la technique. Tu es déjà venu à l'île de la Réunion? Non, jamais, mais j'aimerais beaucoup. Est-ce que les formations pourront être à distance? Les formations que je vais lancer à partir de mai seront exclusivement à distance. Mon but est de pouvoir aider et former un maximum d'entre vous où que vous soyez. Les formations seront sous la forme de cours exclusifs
et détaillée en vidéo. As-tu le temps de concilier vie pro, vie perso? J'essaye de concilier les deux au mieux, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile car je suis énormément sollicitée sur les réseaux. Et entre les vidéos YouTube et les clientes la journée, j'ai très peu de temps libre. Comment se démarquer des autres quand vous êtes plusieurs sur le secteur? Alors en fait, c'est très simple de se démarquer des autres, puisque la plupart de vos concurrents ne vont pas pousser très loin le concept de PO à domicile. Je vous ai envoyé un mail privé récemment qui traitait justement de ce sujet, et une formation là-dessus sortira très bientôt. Hey, as-tu déjà hésité à continuer les ongles? Des baisses de morale? Bisous! Alors non, il ne m'est jamais vraiment arrivé de coups de blues, quelques coups de fatigue bien sûr, mais je suis parfaitement épanouie dans mon métier. Et j'adore toujours autant ce que je fais, et encore plus depuis que je partage sur YouTube et Instagram. Quand vas-tu commencer à nous former? Les formations sortiront à partir de mai, il faut savoir que c'est très long et ça demande plusieurs mois de tournage. Soyez patient et je vous tiendrai au courant dès que ce sera dispo. Bonjour Mimi, peux-tu nous montrer tes cartes de visite s'il te plaît? Eh bien non, je ne peux pas te montrer mes cartes de visite tout simplement parce que j'en ai plus. En effet, je suis arrivée à un stade où j'ai tellement de demandes et de clientes que les cartes de visite ne me servent à rien. Les prises de rendez-vous se font sur Instagram directement, donc j'en ai plus du tout l'utilité. Par contre, si vous débutez, carte de visite et carte de fidélité, obligatoire. Est-ce que tu t'es mis direct à ton compte ou tu avais déjà une petite clientèle? Eh bien, je me suis mise directement à mon compte puisque je savais que j'allais trouver plein de clientes. J'ai beaucoup d'expérience dans le marketing et j'ai la bonne méthode pour trouver une clientèle rapidement. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Si vous avez la bonne méthode, vous trouverez plein de clientes pour vivre pleinement de votre activité de PO. Pourrais-tu faire une vidéo où je juge vos poses? Te connaissant, t'es si bienveillante, c'est juste pour savoir. Vous êtes tellement nombreux à me poser cette question, donc oui, je vais organiser une vidéo où je vais juger vos poses. On s'organise ça très bientôt, promis. Vie perso, penses-tu revivre ailleurs qu'en France un jour? J'adorerais aller vivre aux États-Unis, mais pour l'instant, j'ai beaucoup trop de travail en France et mon activité de PO me demande de rester sur Lyon pour le moment. Depuis combien de temps es-tu PO? Alors le temps passe très vite puisque ça fait à peu près 3 ans que je suis à mon compte sur Lyon, mais environ 6 ans que je pratique, quand j'étais en Thaïlande. Quels instruments tu stérilises et comment? Alors je vous embête pas avec ça aujourd'hui puisque je prépare une vidéo hygiène et stérilisation. Ce n'est pas contraignant parfois de travailler chez soi? PS, j'adore ce que tu fais. Alors non, pas du tout puisque j'ai créé un espace à mon image où la cliente et moi-même, on se sent bien. C'est mon petit univers qui a ma personnalité et c'est bien plus accueillant qu'un salon qui fait beaucoup plus industriel. Des partenariats en vue? Non! Cette question est très intéressante puisque c'est un sujet dont je voulais vous parler depuis un petit moment. Je reçois énormément de demandes de partenariats plusieurs fois par semaine et je les refuse toutes. Tout simplement parce que j'ai créé une chaîne YouTube pour vous parler des produits que j'aime bien, lesquels sont de qualité et lesquels sont à éviter. Et je trouve naze de faire la promo d'un produit qu'on n'utilise pas ou qu'on n'aime pas, tout ça pour gagner de l'argent. J'ai même récemment refusé 1000 euros pour une vidéo sur les vernis d'une marque pas très connue. Donc pour l'instant, les partenariats, no way. Mais si un jour je devais faire un partenariat, ce serait avec une marque en qui j'ai confiance pour créer ma propre gamme de vernis et gel. Ta cuisine préférée? Très difficile de répondre puisque j'aime vraiment beaucoup de choses, mais quand même, si je devais choisir, ce serait sûrement la cuisine thaï et japonaise. Bonjour, serait-il possible que tu nous parles de la rentabilité de ton activité et des prix? Alors concernant mes prix, ils sont disponibles sur ma page Instagram en story. Et au niveau rentabilité salaire, je gagne entre 800 et 1000 euros par semaine uniquement avec mon activité de PO. Donc oui, prothésiste ongulaire, ça gagne bien. C'est quoi la clé de la réussite? Alors la clé de la réussite en tant que PO, je le dirai jamais assez, mais c'est la communication et le marketing. Il faut savoir te vendre et te faire connaître. Et d'ailleurs, c'est valable pour n'importe quel business. Combien d'heures par jour travailles-tu? Au niveau de mes horaires, je commence en général à 10h et je termine vers 20h avec bien sûr plusieurs pauses entre mes clientes. Quelles sont les prochaines étapes pour toi et ta carrière? Alors déjà, le lancement des formations pour moi est une grosse étape puisque je vais créer ces formations tout au long de l'année. Ensuite, je vais également rédiger un e-book qui sera disponible sur Amazon avec tous mes conseils pour réussir en tant que PO. Et pour finir, j'aimerais créer ma propre marque de vernis ou gamme de vernis chez une marque existante. Bonjour, comment savoir si le chablon utilisé est bien adapté à l'ongle? Alors j'ai fait un post YouTube récemment et vous êtes nombreux à m'avoir réclamé cette vidéo, donc elle arrive très bientôt. Je vous parlerai des différents types et marques de chablons que j'utilise avec des exemples concrets. Ce sera dispo très vite. Des garçons prothésistes, ça existe? Je kifferais me lancer, mais trop peur de l'échec. Alors bien évidemment, ça existe. D'ailleurs, aux USA, les PO les plus célèbres sont bien souvent des garçons.
Je pense que comme une fille peut très bien aller chez son coiffeur ou son tatoueur, elle peut très bien aller chez un homme prothésiste ongulaire. Encore une fois, n'ayez pas peur de vous lancer. Il y a beaucoup de blocages qui sont uniquement psychologiques. Et au final, vous verrez que ce n'est pas difficile de réussir lorsque vous appliquez les bonnes méthodes. Et ben voilà, cette FAQ est terminée. J'espère que vous avez été assez chanceux pour que je choisisse votre question. Et j'espère surtout y avoir bien répondu. Mille merci d'avoir été si nombreux à participer, ça me fait chaud au cœur. Nous on se retrouve sur Insta et on se retrouve très vite aussi sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao !